Yo les amis, bienvenue pour ce nouveau Pack to Past. Aujourd'hui, on parle le 7 décembre 1992, c'est y part. Le 7 décembre 1992, la Suisse va dire fuck à l'euro. Après des années de situations sanitaires catastrophiques, l'aide humanitaire française et américaine débarque en Somalie. Le 7 décembre 1992, c'est surtout la sortie de Tostaki de Noir Désir. Tostaki, c'est la contraction de Todo está aquí, qui veut dire tout est ici. Muy bien. C'est un célèbre slogan révolutionnaire d'Emiliano Zapata à qui on doit la révolution mexicaine. Il y a de l'ambiance dans ces boîtes jaunes. Le son contraste avec les autres productions du groupe et cela s'explique par les nouvelles influences. Sur cet album, il plane les influences de groupes de post-hardcore, de groupes de grunge comme Sonic Youth ou encore cette espèce de nuage qui plane autour de cet album, le Nevermind de Nirvana. Rajoutez à ça des influences rock garage, voire noise rock, et vous obtenez certains morceaux à la frontière du métal, ce qui va rendre cet album vraiment incontournable. À tel point que cet album va truster la 11e place des charts français pendant 33 semaines d'affilée. Du morceau Ici Paris à Air Come Slowly qui parle de la montée de l'extrême droite, en passant par le morceau It's Bird qui aurait pu être sur l'album Run the Fur de Deftone tellement il sonne Deftone, au morceau à tête type Lolita Neon Block ou Marlène, en passant par l'emblématique Tostaki en font un album de rock indispensable à écouter sans modération et c'est culte.